Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Laissez image de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, virgule, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Nous acclamons Jésus, le Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa na abarikiwe. Merci les amis. Sante wa rafiki. Vraiment qu'il vous renouvelle encore sa grâce ce matin. Akika amijalie tena neema yake asubuhi ya leo. Je dis qu'il vous soit encore favorable. Nilikuwa nasema awe mwema kwenu. Lui, il est au-dessus des temps et des circonstances. Yeye anashinda wakati na majira. Ils peuvent être mauvais les temps et les circonstances. Wakati na majira inaweza kuwa mbaya. Mais comme lui notre Dieu, il est au-dessus. Sa vile yeye Mungu eko juu ya vile vyote. Et que sa volonté. Na mapenzi yake yeye. C'est que tout nous soit favorable. Nikusema vyote viwe vizuri kwetu. Il finira par les transformer. Mwisho ya yote paka ataibadilisha. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Alors nous continuons à croire. Tunaendelea basi na kuamini. Nous continuons à croire. Tunaendelea na kuamini. Que sa puissance. Ya kwamba uwezo wake. Celle de son esprit. Ya Roho Mtakatifu wake. Cette puissance d'une grandeur illimitée. Uwezo ile ya bunene abuna mipaka. Cette puissance. Uwezo. Que l'Éternel Dieu a déployé en Jésus-Christ. Yenye Bwana Mungu alitia ndani ya Yesu Kristo. Pour le ressusciter d'entre les morts en chair et en os. Ya kumufufula toka wafu katika mwili. Et l'élever au-dessus de tout, jusque dans les cieux na les plus élevés. Kumuinua juu ya vyote mpaka na mumbingu ya juu zaidi. Comme la parole de Dieu elle-même l'atteste. Vile neno la Bwana inahakikisha. Nous croyons ce matin. Tunaamini asubuhi ya leo. Que cette puissance opère. Ya kwamba ile uwezo iko natenda ndani ya maisha yetu. La Bible dit que l'Éternel la met en œuvre. Biblia nasema Mungu anaitumikisha. Il la fait œuvrer. Anaitumikisha. Dans les vies de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ndani ya maisha ya wale wote walimuamini Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Et c'est cette puissance. Ni ile uwezo. Qui a opéré cette année. Ilitenda mwaka huyu. Qui va continuer à opérer. Na iko naendelea na itaendelea na kutenda. Même l'année prochaine. Na mwaka kesho vile vile. Je n'a pas dit que c'est fini. Mungu hakusema ya kwamba kuna malizika. C'est tout ce que j'avais comme réserve. Njoo yote ile nilibakia nayo hapana. Mais Dieu dit que je suis là. Lakini Mungu anatuambia kwamba niko. Mon esprit est toujours en vous. Roho wangu eko paka ndani yenu. Et sa puissance est toujours illimitée. Na uwezo wangu hauna mipaka. Donc nous avons l'obligation de croire. Alafu tunashurutishwa kuamini. Que l'année prochaine. Ya kwamba mwaka kesho. Ça ne sera pas la même chose que cette année. Haitakuwa sawa bila tulikuwa naishi mwaka. Parce qu'il y aura quelque chose de nouveau. Parce que cet esprit de Dieu. Amen, Église. Amina. Même la mort. Na lufu. À moins que ce soit sa volonté. Espoko kama ni mapenzi yake. Même la mort. Na lufu lwenye. Il la détruira. Ataivunja. Romains 8, 11. Wa Roma 8, 11. Commettre Romains 8, 11. Mutuweke wa Roma 8, 11. Connaissons ce passage. Tunajua andiko hii. Romains 8 chapitre 8 verset 11. Wa Roma sura ya 8 mstari wa 11. Et si l'esprit. Na kama roho. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Nikusema Roho Mtakatifu. De lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Alimfufua Yesu Kristo toka wafu yuko ndani yenu. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Ni nani alimfufua Yesu katikati ya wafu? C'est Dieu le Père, c'est Dieu. Ni Mungu Baba, Mungu.
Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Yeye aliyemfufua Kristo katikati ya wafu. C'est-à-dire l'Éternel Dieu. Nikusema wa milele Bwana Mungu. Il fera quoi? Atafanya nini? Il rendra aussi la vie à vos corps mortels par le même Saint-Esprit qui est ou qui habite en vous. Atapatia mwili yenu inahitaji kufa uzima kupitia nani? Kupitia roho. Roho wa Mungu iko ndani yenu. Qui habite en vous? Eko na ka ndani yenu. Non, je suis sûr. Na hakikishwa. Non seulement. Sio tu. Quand la trompette va sonner. Siku tarumbeta italia. Je vais ressusciter. Tafufuka. Mais je suis aussi sûr. Lakini na hakikishwa tena vile vile. Comme il a la puissance. Sa vile yenjo eko na uwezo. De me ressusciter. Ya kunifufula. Ce jour-là. Ile siku. Donc je suis aussi sûr. Na hakikishwa vile vile. Avant ce jour-là. Ya kwamba mbele ya ile siku kufika. Tout ce qui est de nature. Ile yote itataka. A détruire ma vie. Kuharibu maisha yangu. La vie de mon esprit et de mon âme. Uzima wa roho na nafsi yangu. Dans mon corps. Ndani ya mwili yangu. Et détruire. Ilisharibishwa. Par la puissance de l'esprit qui est en moi. Na uwezo ya roho anayepatikana ndani yangu. Le Saint-Esprit il est en moi. Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye eko ndani yangu. C'est le Dieu tout puissant. Ni Mungu mwenyezi. En moi là c'est où? Moi c'est quoi? Ndani yangu ni wapi? Mimi mwenyewe ni nini? C'est mon esprit, c'est mon homme intérieur. Mimi ni roho yangu, mtu wangu wa ndani. Il est en moi. C'est son temple. Vile yeye eko ndani ya roho yangu. Ce matin encore je crois. Asubuhi ya leo naamini. Qu'il n'y a aucune puissance. Hakuna uwezo hata mmoja. Qui peut détruire mon esprit? Inaweza kuharibu roho yangu. Amen bien aimé. Amina. Non seulement ça. Sio tu ile. Mais comme mon esprit et lui-même sont dans mon corps. Sa vile roho yangu yake na ye mwenyewe ko ndani ya mwili yangu. Ils ont besoin de mon corps. Na bina inahitajia mwili yangu. Donc tout ce que donc je crois aussi qu'il n'y a aucune puissance qui peut détruire mon corps. Naamini tena vile vile ya kwamba hakuna hata uwezo naweza kuharibu mwili yangu. Parce que détruire mon corps. Kwa sababu kuharibu mwili yangu. C'est mettre fin à la vie de mon esprit sur la terre. Ni kukomesha uzima wa roho yangu pa dunia. À moins que ce soit le temps fixé par Dieu. Isipokuwa kama njoo vile Mungu alipenda. Si ce n'est pas le temps de Dieu. Kama ina wakati ya Mungu. Amen bien aimé. Amen. Donc je vais continuer à vivre. Taendelea na kuishi. C'est ce que Romains 8:11 dit. Njo ile wa Roma 8:11 nasema. Alors c'est pourquoi nous croyons. Njo kwa sababu tunaamini. Que l'année prochaine. Ya kwamba mwaka kesho. C'est dans quelques jours ici. L'année prochaine. Chini masiku tu kidogo hapa. Donc quand nous parlons de l'année prochaine aujourd'hui. Hapa tuko nasema juu ya mwaka kesho leo. Ce n'est pas la même chose que quand nous parlions en janvier. Vous comprenez? Aina paka sa vile tulikuwa nasema mwezi wa kwanza. C'est pas la même chose. Aina sawa sawa. Quand nous parlons en janvier. Pale tulikuwa nasema mwezi wa kwanza. Il y avait encore 12 mois. Kulikuwa miezi 12. Quand nous parlons aujourd'hui. Hapa tuko nasema de l'année prochaine. Ya mwaka kesho. Il y a juste quelques jours. Kuna inatuachanisha tu na masiku kidogo. Alléluia. Amen. Alors donc tu dois croire mon frère. Unapasha kuamini ndugu yangu. Tu dois oublier le passé. Unapasha kusahabu bia zamani. Le passé c'est que ça a été 2020. Bile bilisha kupita ni kusema njo mwaka 2012 vile bilikuwa. Asipoze que jusqu'au 31 décembre. Alafu kama inawezekana mpaka tarehe 31 au yaishi kitu. Mais je dois continuer à croire. Lakini napasha kuendelea na kuamini. En 2021. Ya kwamba mwaka 2021. Quelque chose de nouveau encore de puissant va. Kitu kipya na kia uwezo kitafutukia maisha yangu. Il est toujours à moi. Sababu ye eko paka ndani yangu. L'esprit de Dieu. Roho wa Mungu. D'une puissance illimitée. Eko na uwezo bila mipaka ye njwe ko ndani yangu. Amen église. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abariki. Mais comme il est à moi. Sa vile ye ko ndani yangu. Et que l'année prochaine. Na mwaka kesho. Il va accomplir de nouvelles choses. Atatimiza mambo mapya. Oh mais il est disposé. Sa eko tayari. À me donner une image de ce qu'il va faire. Kunipatia picha ya benye atanitendea. J'ai dit bien, il est disposé. Mais na sema mzuri yeye eko tayari. Dieu ne parle jamais dans le vide. Mungu asema ke tu juu ya furaha sema hapana. Et nous bénissons son nom. Na tunabariki jina lake. Parce que quand il nous parle. Kwa sababu wakati anaongea nasi. Il confirme. Anahakikisha na kuhakikisha. Que ce que nous disons là c'est réellement sa pensée. Ya kwamba bienye tuko nasema njo kile yeye anapenda. Pour que nous puissions pas avoir de doute. Njo tushikue na shaka. Alors toi qui continues à douter, c'est ton problème. Naweza kuendelea leo wako na kushakia ni mambo yako. Dimanche passé j'ai donné ce petit témoignage. Kwa Jumapili ya Jumajana nileta hiyo shuhuda mfupi. C'est encore un autre pour vous confirmer que cette pensée ici c'est réellement, ça vient de lui. Ya kwamba hii wazo inatoka ni kwake yeye. Ceux qui vont croire
avant la fin de cette année, ils auront l'image. Ils auront l'image. Après votre culte, c'est le premier. Un jeune homme arrive dans mon bureau. Il me dit, papa, mais c'est pas possible. Moi, quand j'ai fini mes études, je me suis dit que je dois créer ma propre entreprise. Il a fini comme ingénieur à l'université. Il dit, moi, je me suis dit que je vais créer ma propre entreprise. Je ne dois pas travailler dans une entreprise. C'est ça ce que je me suis dit. C'est ça la conviction que j'ai eue. Alors, voilà, hier, samedi, la nuit, je fais ce rêve. Je viens dans votre bureau avec le catalogue de mon entreprise, le prospectus. Je vous le donne et vous priez pour moi. Je me suis réveillé. Je me suis dit, ah donc le Seigneur confirme que vraiment ma pensée ici, c'est ça sa volonté pour moi. Mais c'est que je viens ici. Vous parlez de l'image. Alors j'ai compris que donc Dieu m'a donné l'image de ce que je suis et que je dois être sur cette terre. C'est un chef d'entreprise. Mon entreprise à moi. Alors j'ai compris que donc Dieu m'a donné. Ce sont des témoignages ni maushuda qui confirment inahakikisha que réellement ya kwamba kweli kweli c'est ce que Dieu veut faire. Jo kile Mungu anapenda kututendea. Amen. Amina. Alors retiens ceci encore. Sasa jua tena hivi leo. Ce qui arrive dans ton esprit. Kienye kinatukia ndani ya mawazo ndani ya roho yako. Absolument arrivera. Hakika njo kienye kitatendeka. Ce qui arrive dans ton esprit, mon frère. Kienye kinaingia ndani ya roho yako ndugu yangu. Arrivera absolument. Na kitatendeka kabisa kabisa. Bien aimé, le Saint-Esprit, il est non seulement puissant, mais très important pour nous. C'est pourquoi il est à nous. Rome takatifu sio tu eko tu wa uwezo, lakini ni wa muhimu ndani yetu. La Bible dit, il connaît la pensée de Dieu. Biblia nasema anajua wazo ya Mungu. Il connaît le plan de Dieu. Anajua matengenezo ya Mungu. Il connaît la vision de Dieu. Anajua onyo ya Mungu. Pour ma vie. Juu ya maisha yangu. Maintenant, lui, il est à moi. Sasa yeko ndani yangu. Alors, vous comprenez un peu. Donc, il n'a pas de problème. Ana na matata. Pour me révéler cette vision. Juu ya kunifunulia onyo. Pour me révéler ce plan. Dieu a kunifunulia matengenezo. Et il ne peut que le faire. Na anapasha paka kuyafanya. Il veut le faire. Na anapenda kuyafanya. Il est prêt pour le faire. Na eko tajari kwa kuifanya. Si vous comprenez ça. Unaelewa vine. Il ne peut pas me cacher. Hawezi kunificha. À moins que je ne suis pas obéissant. Isipokuwa kama simtii. Si je suis soumis à lui. Na kama namtii yeye. Si je lui suis obéissant. Kama niko mtiifu kwake. Il ne me laissera pas emprunter une voie que lui Dieu n'a pas tracée pour moi. Hata niacha niingie njia ile Mungu yeye akunitengeneza. C'est pourquoi il me le révélera. Kwa sababu atanifunulia hayo. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amina. Dites encore très bien. Amen. Sema tena amina ya mzuri. C'est pourquoi. Jo kwa sababu. Lorsqu'on a, nous devons travailler. Tunapasha kutumika. Notre travail spirituel doit se poursuivre. Kazi yetu ya kiroho tunapasha kuendelea na kuifanya. Devons continuer à prier. Tunapasha kuendelea na kuomba. À consacrer nos vies à Dieu. Kutoa maisha yetu kwa Mungu. Nous devons persévérer. Tunapasha kudumu. Pourquoi? Kwa sababu gani? Mais tout simplement jusqu'à ce qu'il mette une nouvelle image dans ma tête, dans Paka mon esprit. Pale atanipatia mfano picha mupya ndani ya mawazo ndani ya roho yangu. Si tu n'as jamais eu une, mon frère, écoute. Ndugu yangu kama uyapokea. Tu ne peux pas entrer. Non, écoute mon frère. Sikia ndugu yangu. N'accepte pas d'entrer en 2021 sans une idée claire de ce que Dieu peut faire encore. Écoute.
Mwenye kukosa wazo kabisa kabisa ya kile Mungu anapenda kukutendea. A moins que tu n'aies pas de problème. Isipokuwa kama una magumu au una matata. Tu n'aies plus besoin de Dieu. Isipokuwa kama umuhitaje tena Mungu. Dans n'importe donc dans tous les domaines tu es OK, tu n'as pas besoin de Dieu. Wewe mambo yote au una matata au uhitaje Mungu. Mungu ndio wako akubariki wewe. Mais sinon. Lakini kama sio vile. Non non. Hapana. N'accepte pas. Hapana kuitika. Pourquoi? Nous devons continuer à prier. On a pas cherché à indélier implorer notre Dieu. Na kumuita Mungu wetu. C'est une prière de supplication. Ni maombi ya kumsi. Ce n'est pas un ordre qu'on donne au Saint. Aina kumwambia Saint Mungu nipatie picha hapa. C'est une prière de supplication. Ni kumsi Mungu. Qui est basé fondée sur sa propre volonté. Ni mapenzi yake. Oui, il veut le faire. Anapenda kuitenda. Mon frère, moi, je ne sais pas à moins que ta foi je ne sois pas sûr comment. Ndoko yangu sijue kama wewe imani yako iko yaje. Mais je ne vois pas comment je ne dois pas croire. Mimi sione kwa sababu gani nitakosa kuamini. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. L'Esprit de Dieu le Roho wa Mungu Baba. L'Esprit de Dieu le Fils. Roho wa Mungu Mwana. Qui connaît mon avenir. Yeye unanajua masiku yangu ya mbele. Le maître de cette œuvre ici. Yeye ndio anakuwa mwenye kazi. Puisse me laisser vaguer comme une vague là ballottée par le vent à gauche à droite. Anyache niko na waya waya sana wili niko kusijue kwenye niko naenda ni wapi. Sans savoir à quoi je peux m'attendre en 2021. John tatumainia nini mwaka 2022 sans savoir à quoi je peux m'attendre pour mes enfants. Bila kujua batoto yangu benye batakuwa ka banani. Sans savoir à quoi je peux m'attendre pour ma femme, mon mari. Non. Benye mimi sitajua bwana yangu atakuwa nani au bibi yangu hapana. C'est ce que je vais lui supplier. Ndio kwa sababu nitamsi. Je vais implorer sa grâce. Ta muomba kwa neema yake. Je vais le faire encore pendant ces 3 semaines. Ndio kenye tutafanya tena majuma 3 ile. Il le fait. Presque chaque jour je vous donne des témoignages. Kila siku mimi nimepachaka karibu maushuda. Alors, comment toi tu ne peux pas croire qu'il peut aussi te répondre? Namna ni wewe na wewe hauwezi kuamini asema anaweza kukufunulia na wewe. Tu dois croire mon frère. Unapaswa kuamini ndugu yangu. Tu dois croire ma sœur. Unapaswa kuamini dada yangu. Alors tu dois travailler en conséquence. Tumika kufuatana na ile. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Bwana. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il est extrêmement important. Eko wa muhimu sana. Il voit les choses que nous ne voyons pas. Yeye kwa sababu anaonaka bila shia tuone. Les choses qui nous concernent. Bintu bile binatuelekea. Qui concernent notre avenir. Binaelekea kile tutakuwa kesho. Qui concernent notre vie. Binaelekea maisha. Lui, il les voit. Yeye eko na biona. Et il est prêt de nous les faire voir aussi. Na eko tajari kutusaidia na shitu bione. Parce qu'il est dans mon esprit. Kwa sababu eko ndani ya roho yangu. Alors, puisqu'il voit les choses qui me concernent. Kwa sababu eko naona bintu vile binaelekea maisha yangu. Il finira par me les faire voir aussi. Mwisho ya yote paka atanisaidia na mimi ni bione. Alléluia. Amina. Le Saint-Esprit, on le dit toujours. Roho Mtakatifu bana tuambiaka kila siku. Il est prêt de nous amener là où nous n'avons jamais été. Eko tajari kutupeleka kwenye si atuyafikaka. Là où tu n'as jamais été. Kwenye uyafikaka. Il est prêt de t'amener là-bas. Eko tajari kukupeleka kule. Il a la puissance, la force de t'amener. Na eko na uwezo na nguvu ya kukupeleka. Amen, bien-aimé. Amina. Nous avons dit qu'il est prêt. Tulisema ya kwamba eko tajari. Planter une semence dans ton esprit. Ya kupanda mbegu ndani ya roho yako. Ton esprit. Ndani ya roho yako. Une semence dans ton esprit. Mbegu ndani ya roho yako. Semence. Mbegu. Ton esprit. Ndani ya roho yako. Ce que tu es réellement. Kienye uko kweli kweli. Quand Dieu au dessus, quand il te regarde sur la terre. Kwa sababu yeye mumbingu kama iko nakuangalia wewe pa dunia. Il te voit selon ce que lui veut. Eko na déjà fait. Eko na kuona kufuatana na vile yeye anataka kwa sababu njoo kile alicho kutenda. Quand nous étions encore en train d'errer sur la terre. Wakati tulikuwa tungaliki na wayawaya pa dunia. Comme des païens. Saba pagano. Des païens normaux. Ba pagano pagano tu wa kawaida. Adultère, mulevi, muzinifu, sharati na biote. Lui ne me voyait pas comme ça. Lakini yeye akuwaka na tuona vile. Il me voyait ce que je suis aujourd'hui. Alikuwa ananiona kile mimi niko leo. Et il m'a protégé. Na alinikinga. Il n'a pas permis que les sorciers me bouffent. Akuruhusu balozi banipepete. Il donc dans cette vie là de péché mais il a supporté mon Dieu. Ile wakati mtenda dhambi lakini alinivumilia. Il a supporté. Alivumilia. Est-ce que les païens demandent pardon à Dieu? Bapagano wanamlombaka Mungu bulu. Pardon à Dieu. Aba mlombake Mungu bulu. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas n'a pas permis que les sorciers nous bouffent quand kwa sababu gani Mungu akuruhusu baloji batupepete wakati tulikuwa bapagano? Hein? Amen bien aimé. Amina. Et il nous a conduit. Na alituongoza.
Un jour, nous étions encore à Viens-Voir. Siku ingine tulikuwa tungaliki ku Viens-Voir. Il lui donne une image. Analeta picha. À quelqu'un. Kwa mtu fulani. Il voit Papa Albert. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Na miambia yo leo, anamuona Papa Albert. Qui enlève. Enfin, il voit quelqu'un qui vient. Anaona mtu moja anakuja. Qui demande à Papa Albert de se lever. Anamuonesha Papa Albert asimame bwima. Et il enlève la veste. Na anatosha koti. Il vient, il me l'habille. Anakuya nayo ananivuika yu. Je suis diacre. Mimi ningaliki mshemashi. Dans les bancs en train de faire passer le panier. Mimi nilikuwa naikala mbantu bote niko napitisha kitunga kisaya ya sadaka. Et puis il se réveille. Kisha akasimama. Mais ceci est accompli aujourd'hui non? Na leo shibirisa binatendeka. Il a une image pour toi. Eko na picha yako ndugu yangu. J'ai dit il a une image pour toi. Nasema eko na picha yako dada yangu. La une image. Eko na picha. Amen église. Amina. Donc retiens quand cette image arrive dans ton esprit. Jua ya kwamba wakati unapokea ile picha ndani yako. Tu dois être sûr que ça arrivera un jour. Unapasha kuhakikisha kwamba itatendeka. Nous devons travailler. Tunapasha kutumika. Bien esprit c'est Dieu bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la prophétie par excellence. Mupendo wa Roho Mtakatifu ndio roho wa unabii. Le futur dans notre esprit. Ule anasaidi. Le futur. Njo mwenye anatuambiaka biashiku ya kesho. Et nous avons parlé sur les moyens. Na tulisema juu ya manamna. Qu'il utilise. Yenye anatumia. Pour apporter ce futur. Dieu a kutuletea pour apporter cette révélation. Dieu a kutupatia ufunuo. Amen, bien-aimé. Amina. Le futur. Bia kesho. Il utilise plusieurs moyens. Anatumia manamna achana achana. Vision. Ma ono. Les visions qu'il donne à certaines personnes qu'il a oint comme onya anapatia batu bengine bale alipaka mafuta kama wanabi. Mais ça ne veut pas dire. Aina kusema. Que quand je ne vois rien. Kama mishione kitu. Je vais commencer à chercher les prophètes. Mimi nitaanza kutafuta banabi. Njoo kusema. Dis-moi, tu dois me dire absolument. Paka leo uniambie. Au kuone kitu. Tu dois me dire. Uniambie paka hapo. C'est que je serai l'année prochaine. Ile mimi mwaka kesho nitakuwaka. Mais il va te mentir. Shata kulanda bongo. Takulanda. Il va te mentir. Il te dira, je suis en train de te voir élevé, tu es élevé au-dessus de tout le monde. Tu vas danser. Oh, tu, vas de... Yo, tu prends l'argent, tu donnes. On a besoin d'une phrase, on a empathie à. Mensonge. Bongo anakulanda. Il parle des rêves. Na anasemea kwa mandoto kama ono tuliona anaongea nasi kila siku kwa neno lake hata hapa sasa yeye huyo anaongea na sisi il parle sur sa volonté eko naongea nasi kwa mapenzi yake ya kupanda mbegu ndani ya roho yetu il parle eko naongea nasi hapa sasa eko naongea nasi il révèle par le saint esprit anafunua kupitia roho mtakatifu que quel que soit les moyens le saint esprit la pièce maîtresse yenjo mwenye mambo notez encore ceci jua tena hivi le contenu de l'image bien ndani bienye ile picha inaonesha et les moyens qu'il utilise na manamna yenye anatumia dépend de lui et de lui seul inamtegemea paka yeye mwenye tu dépend de lui et de namtegemea ye peke yake. J'ai dit le contenu de na kusema bia ndani bia ile picha les moyens qu'il utilise na manamna yenye yeye anatumia dépend du Saint-Esprit lui seul benamtegemea Roho Mtakatifu peke yake. C'est ici qu'il peut vous donner cette image jo kwa sababu yeye anaweza kupatia ile picha mais le contenu lakini bia ndani yake n'est pas exprimé clairement abijulikane kabisa kabisa ça ne reflète pas clairement ce que vous serez. Abionyeshe kabisa kabisa bienye utakuwaka. Mais il vous donne seulement une image. Lakini anakupatia tu picha. Les rêves qu'il avait donné à Joseph. Ndoto yenye alimloteshaka Yosef. Montre bien une position d'autorité. Shirioneshe paka sema atakuwa chef. Il ne lui dit pas où. Lakini ashimwambie atakuwa wapi. Il ne dit pas cette autorité sera comment. Asijue pa kufika kwenye kubule bukubwa ni mambo kenye taisha. Il a montré seulement ses parents, ses frères, sa génie devant. Alionesha tu bazazi yake na banduku yake beko natuanga magoti mbele yake. Lui même connaît le contenu. Lakini yeye ndio anajua bitatendeka na biandani biko je. C'est ici que si vous vous accrochez à l'image. Na ni vile kama uona kankamana paka na picha. Il finira par vous faire comprendre. Mwisho yote atakuelewesha bila. Au travers des temps de circonstances. Kupitia wakati na majira.
le contenu de l'image. Bia ndani, bia ile picha. Si vous ne comprenez pas, kama auelewe, c'est pas un problème. Hakuna matata. Vous continuez seulement à prier. We endelea tu na kuomba. Un jour vous comprendrez. Siku ingine utaelewa. Notez encore ceci. Jua tena hivi. Que l'image. Ya kwamba picha. De votre futur. Ya kienyo utakuwaka kesho. Doit bouger continuellement dans votre cœur, dans votre esprit. Inapasha kutenga kutengizika kila siku ndani ya moyo wako. Ça doit se mouvoir. Chaque jour. S'il y a la seule chose dont vous devez vous rappeler, c'est cette image. Kenyo napasha weku kumbuka ni ile picha kama una lamuka. Vous réveillez avec elle. Lamuka na ile picha. Vous marchez avec kama elle. Tembea na picha. Vous dormez avec kama elle. Lala na picha. Vous travaillez avec kama elle. Tumika elle na picha. Est dans votre esprit. Na weka ndani ya roho yako. Oh, hallelujah. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans ce futur. Mpaka pale utajikuta muile yenyewe masiku ilikuwa ya kesho. Le futur là. Ile ya kesho. Que Dieu me révèle. Ile Mungu ananifunulia. Il constamment dans ma tête, dans mon esprit. Iko ndani yangu kila siku. Jusqu'au jour où je me retrouverai dedans. Mpaka na pale utajikuta njoo bile niko naishi. L'image de mon mariage est dans ma tête. Picha ya ndoa yangu iko ndani ya kichwa changu. Jusqu'au jour où je me retrouverai marié. Mpaka na pale utajikuta niko mundoa. Dans ma tête. Mukichwa kyangu. Je dois travailler. Napasha kutumika. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que. Kwa sababu. Comme je vous ai dit. Vile nilimiambia. Dieu donne cette image. Mungu analeta hii picha. Pour que nous y pensions. Hivi tuifikilie. Que nous ne perdions pas de vue que dans le plan de Dieu. Tusisaulike ya kwamba ndani ya matengenezo. Ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Aina kienye niko leo hapana. C'est ce qu'il me révèle. Ni bile yana nifunulia. Que je suis. Njo kile niko. Quand Dieu me regarde. Wakati Mungu anaona. Du haut des cieux. Kumbingu. Il ne me voit pas ce que je suis ici. Anione vile niko leo. Il me voit autrement. Eko naniona mnamna ingine. Et l'autrement là, na il me l'a révélé. Ingine, ananifunulia hayo. Alors, c'est pourquoi je dois continuer à prier. Njo kwa sababu napasha kuendelea na. Mais ma prière sera renforcée. Na hata maombi yangu haitakuwa ya kukaza. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Même si ça prend du temps. Mais je sais. Pourquoi? L'image doit se mouvoir constamment dans ma tête. Parce que quand on regarde la Bible, nous trouvons que Dieu, dans sa souveraineté, il peut vous annoncer quelque chose aujourd'hui. Mais que lui a prévu dans 25 ans, comme Abraham. Bien sûr. Tu vas dire, mais nous tous, on n'est pas Abraham. Oui, très bien. Nikuelu utasema shibo tatuna ba Abraham ni mzuri tu. Le Daniel, ça a pris 13 ans. Ba Daniel yeye libeba Joseph. Joseph ilikuwa miaka 13. David, ça a pris 13 ans. Daudi miaka 13 tu. Quand David est loin. Wakati Daudi anapakaliwa mafuta. L'onction de David. Upako wa Daudi. C'était une image. Ilikuwa ni picha. Et Samuel lui a dit, Dieu t'établit roi. Samuel anamwambia Mungu anakuweka leo wewe ndio mfalme. Pandange Saul regne. Wakati Saul mfalme mwingine kwa natawala. Samuel lui-même vous connaissez c'est du Samuel a eu peur non? Unajua kwamba Samuel mwenyewe alishikia na boka. Saul va apprendre, il va me tuer. Que j'ai Saul mfalme pale atashika taniua. Mimi naenda kupakala mafuta mfalme mwingine yeye mfalme. Je le dit très bien, il n'y a pas de problème. Mungu anamwambia hakuna matata. Après tout tu es sacrificateur. Mwisho ya yote shuku mkuani. Si on te pose la question. Baki kuulize. Dis que tu vas offrir des sacrifices. Sema niko naenda kutolea dhabihu. C'est Dieu. Ni Mungu. Dites-moi amen. Sema amina ya mzuri. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui dit à Samuel. Anaambia Samuel. Que. Ya kwamba. Quand tu vas arriver. Palo tafika. Si on te pose des questions. Baki kuulize ulize. Qu'est-ce que tu viens faire? Unakuwa kufanya nini huku? Que je viens offrir des sacrifices. Ubaambia sema mimi nakuwa kumtolea Mungu dhabihu. Mais moi et toi nous savons ce que tu vas faire. Lakini mimi Mungu na wewe Samuel njoo tunajua byenye tuko naenda kufanya. Le reste je vais m'en occuper. Mambo ingine mimi mwenyewe nitashughulikia. C'est ce qu'il a dit à Rebecca. Jo yenye alimwambia Rebecca. Dans ton ventre. Muntumbo yako. Il y a deux. Muko mapacha. Mais le second là. Lakini wa pili. C'est celui que j'ai choisi. Jo ule mimi nilichagua. L'image est restée dans la tête de Rebecca. Picha ilibakia ndani ya mawazo. Pourquoi Dieu donne l'image bien avant? Tu as nini Mungu anatangulisha kupatia picha. Quand le temps arrive. Ni juu wakati nous sachons comment nous prendre. Tutajua namna gani tutaishi. Tutafanya nini? Il
fallait que cette image soit dans la tête de Rebecca. Ilibidi ile picha iwe ndani ya mawazo ya Rebecca. Pour que quand, vous savez, c'est arrivé quand? Unajua ilitendeka wakati gani? La Bible ne dit pas que là Jacob et Esaü avaient. Biblia haituambia Jacob na Esaü balikuwa na miaka. Mais c'est déjà des personnes ils avaient au moins 20, 25. Si balikuwa balisha kukomala karibu na umri ya miaka 22 au 25. Mais Dieu lui a révélé quand ils étaient encore des bébés dans le ventre. Lakini Mungu alimfunulia wakati walikuwa wengaliki ndani ya tumbo. Quand le temps arrive. Wakati nene. Pour que la vision s'accomplisse. Pour que l'image devienne réalité. Picha ikuwe njo mambo vile hiki. Mais cette femme elle devait faire quelque chose. Huyu mama alipata kufanya kitu. C'est ainsi qu'elle a dit à Jacob, non, non. Na ni vile alimwambia Yakobo hapana. Nous ne devons pas attendre Esaü, c'est toi, c'est toi. Usiongoje Esaü, ni wewe njo mwenye hii mambo. Alors va faire ce que ton papa dit, va seulement derrière, prends. Wende kafanya vyenye baba yako naomba, wende kumkongo wa nyumba bamba nyama huwa umuipikie umletee. Porte quelque chose pour lui là. Voilà qui ngoji ya nyama kiko na manyonya. Mais il va me maudire. Na shatani laana mama mzuri. Que la malédiction tombe sur moi. Kama na kulaana lakini ile laana itakuwa yako itakuwa juu yangu. Dieu elle avait la révélation. Alikuwa na ufunuo. Comment ça va faire? Mais tu connais fika je. Si jamais Isaac bénit Esaü. Kama Isaac abariki Esaü. Dieu va me punir. Mungu ataniapisa. Toi je t'avais donné la révélation. Nilikuambiaka mambo vile hivi. Elle a dit je vais agir. Alisema nitatenda. Que la malédiction tombe sur moi. Laana inyangukie mie. C'est tout. Joine. Nous savons, Dieu s'est occupé des choses. On a dit à Mungu alishughulikia mambo mengine. Vous avez déjà lu que Dieu a envoyé Rebecca en prison. Orisha kusamaka Mungu alibeba Rebecca na mtuma moto. Quand maintenant Joseph, Jacob. Sasa wakati Yakobo. Après la bénédiction. Kisha il fut Esaü. Anamkimbia Esaü. Dieu a abandonné Jacob. Mungu alimwacha Yakobo. Dieu a suivi Jacob. Mungu alimfuata Yakobo haina vile. Vous connaissez la vision de l'échelle, non? Shunajua ile onyo ya kipandio. Je suis avec vous. Niko na wewe. N'ayez pas peur. Au shishikie bo. Même là où tu parles. Na kwenye uko naenda. Je serai avec toi. Mimi nitakuwa paka na wewe. Je vais te bénir. Takubariki. Je vais te bénir. Takubariki. Je vais te bénir. Takubariki. Personne ne te touche. Hakuna mtu atakuguza. Dieu a réellement béni Jacob. Na ni Mungu alimbariki Yakobo. 20 ans au moins après. Kisha miaka 20. Je dis maintenant Jacob, maintenant le parent. Rudia lève sasa toi, rentre. La muka wende kwenu. Mais n'oublie pas Bethel. Ushisabu ku Bethel. Là où kwenyori uriwekaka ulinilakaka kule tulipatanaka na weye. Et où tu m'as promis. Kwenyori ni aidiaka bintu. Dit amen bien aimé. Sema amina mpendo. Quand l'image est dans ta tête. Wakati uko na picha ndani yako. Non seulement tu seras quoi faire. Sio tu utajua kia weku fanya. Le temps de l'accomplissement arrive. Wakati ya matimiliko kama pika. Pendant le parcours. Na wakati ya safari. Il y aura des obstacles. Kutakuwa vizuizo. Il y aura des épreuves. Kutakuwa vipimo. Asabu. Il y aura des tribulations. Kutakuwa magumu. Pendant le parcours là, wakati ya safari. N'en fais pas. Usizanie mambo ingine. Dieu a donné à Joseph la vision. Mungu alimpatia Yosefu onyo. Dieu ne lui a pas dit que tu seras vendu comme d'abord. Mungu akumwambia tes propres frères vont te punir, vont te haïr, te jeter dans la citerne, puis après ils enlèvent la tunique et ils te vendent comme esclave. Dieu ne lui a pas dit Mungu akumwambia sema mbele ya wewe kuwa mkubwa banduku yako batakuwapisa batakuweka kama mbilika batakutosha kama batakuuzisha kutakuwaka mtumwa akumwambie. Que tu iras même en prison. Dieu aussi. Utakamata utatupa mkifungo Mungu na yeye. Voyez Joseph quand Potiphar l'a mis chef là de sa maison. Angalia wakati Potifa alimweka kuwa mkubwa Yosefu wa nyumba yake. Mettez-vous un peu à la place de Joseph. Ujiweke wewe parfois chez Joseph. Je crois qu'il se disait peut-être donc c'est ça peut-être que Dieu m'avait montré. Nazani alikuwa anasema eh njoo bu chef mwenyewe Mungu alinionyeshaka mundoto obu. Mais ce n'était qu'un petit sommet. Ilikuwa tu ni bu chef tu kaloko. Qui précédait le plus grand. Ilikuwa natangulia bule bu chef mkubwa. Le sommet des sommets. Mchongo ya kushindia manchongo yote. Mais pour arriver à ce sommet. Lakini njoo ya kufika ku ile nchongo. Joseph devait descendre encore dans une vallée. Voilà kwanza alipaswa kushuka mbonde mrefu. Shimilisha kukuambia. Il prend Joseph. Anambeba Joseph, chef de tous les travailleurs de Potiphar. Mkubwa wa babodi wote wa Potiphar. Gestionnaire de toutes les affaires de Potiphar. Yeye ndio alikuwa anaongoza mali yote ya Potiphar na nyumba. C'était presque la joie du roi Pharaon. Potiphar alikuwa karibu yeye ndio akumfuatia Farao. Yeye ndio alikuwa mkubwa wa biote. Prend Joseph. Anambeba Joseph. Dans la vallée. Anamweka mkibonde. Vous avez expliqué comment Joseph avait fui. Shimilisha kufasiraka namna gani Joseph alipiga kambi. Alors, tous ces travailleurs là qui lui obéissaient disaient mais ah c'est que t'étais cet homme. Bafanya kazi vote c'est huyu bwana tulikuwa na heshima kumbe njoo kazi yake alikuwa anafua munyumbo. C'est pas parce quel courage là. Ni odari gani ukiana huyu. Le pauvre. Wabenyewe. Vous avez dit qu'il est allé torse nu. Nilikwambia alitoka munyumba bila mangua.
ici à l'époque, s'il avait commis l'erreur ce jour-là, de se réveiller sans le caleçon. Nana kuambia mwile wakati kama lilamkaka tu lwake sasa niende lwangu bila kuvala kama mwanandani. Mais c'est le grand chef après Pharaon. Chini mkubwa ule kisha Pharaon. Allez, va d'abord là. Kwenda mbele kule. Korokoroni. Comme ce jeune homme avait toujours l'image. Sasa leo yuki jana mwanaume alikuwa paka na ile picha. Il a dit il n'y a pas de problème. Anasema haina mambo. Il est en prison. Mais il interprète les songes. Lakini anatafsiri paka na mule mwenye anatafsiri ndoto. Un peu comment Dieu fait les choses. Ona namna gani Mungu yuko nafanya mambo. Dieu touche le chef de la prison. Na Mungu anagusa mkubwa wa ile kifungo. Anasema retiens que tu n'es pas un prisonnier comme tous les autres. Wewe jua sema kuanzia leo hauna mfungwa sana mfungwa. Non, kona mene presque nous en prison. Ule mtu walileta karibu uchi ndani ya kifungo. Le chef de la prison connaissait bien le motif d'arrestation. Chi mkubwa wa ile fasha alijua huyu bana mbambia bana mletea huko. Comment il prend toute la responsabilité, il lui donne. Namna gani anambeba tena anampatia na bushefu na mwenye mkifungo. Huyo ndio Mungu. Le maître de l'œuvre. Mkubwa wa mambo. Le maître de l'image. Mkubwa wa mwenye mambo, mwenye picha. Dieu il est terrible. Mungu ni wa matata. Amen bien-aimé. Amen. Non, toi. Asema hapana wewe. Je te cède de tout. Mimi nakupatia mkubwa wangu, wewe ndio unakuwa mkubwa sasa. C'est toi le gestionnaire de la prison. Wewe ndio utaanza kutawala na kuongoza bintu yote. Pendant que je gère la prison. Wakati yuko naongoza kifungo. Dieu lui donne l'interprétation des songes. Mungu anampatia utafsiri wa ndoto. Amen bien-aimé. Amen. Quand l'image est dans la tête. Kama picha uko nayo ndani yako. Ça nous donne une force spirituelle terrible. Inatupatia nguvu ya kiro ya uwezo. Pour vaincre tout ce qu'il y a comme obstacle, comme barrière, comme souffrance, comme épreuve, dans le parcours. Kama bintu biote musafari. Dans le parcours. Musafari. Le jour qu'il m'a dit. Siku ile aliniambia. Chez les Juifs. Kubayuda. Soyez calme. Mutulizane. Qu'on vous chasse. Bata mifukuza. Il n'y a pas de problème. Hakuna matata. Qu'on vous chasse seulement. Ba mifukuze tu. Mais vous ne quitterez pas le centre de cette lakini ville. Lakini umu mutauni amutoka. Ceux qui étaient avec nous, je leur avais dit ça. Bale balikuwaka pamoja nasi, baba balituambiaka. Ce qui fait que tout ce qu'on a eu comme problème, comme humiliation, on a effectivement finalement chassé. Et puis nous étions dispersés les autres ici, les autres là-bas. Upatizwa haya mambo yote tulipatikana tuliwayawaya. Bengine tulikuwa mshefu katanga bale, bengine walikuwa mubeler, bengine walikuwa. Mais comme je savais que ça va passer. Savile nilijua kwamba ni bia mupito. Parce que il a dit vous ne quittez pas le centre-ville. Kwa sababu yeye aliniambia kwamba mtatoka mtauni. On a fini par se retrouver ici. Mwisho ya yote shi hapa tuko hapa. Shi hapa tuko. On arrive ici. Tunafika hapa. Maman Fabrice. Maman Fabrice mon dieu quoi. Cette maman là où elle est. Dieu la bénisse. Amubariki. Elle dit non d'accord moi je vais la parcelle. Anasema kuna matata niko nauzisha hii lupango. Sur le prix. Ah tunaambiana bei ni fulani. On se met d'accord pour 4 mois. Tunapatana tunasema tutakulipa miezi 4 kisha miezi 4. Pour atteindre le montant. Dieu akuipata yenyewe ile bei yenyewe alitambia. Ilikuwa ni mambo. Les gens ont vendu. Batu bariozisha bia kuozisha magari. Les parcelles. Malupango. Pour atteindre le. Dieu a kuipata bwingi ya ile franga ile tulipashaka kuuza hii lupango. Mais vous savez, on a il restait 60,000. Unajua kulitubakiaka 60,000 dollars. Njua kuendesha ile makuta. Jusqu'au dernier jour nyana. Paka na siku yenyewe ya mwisho ya kupeleka makuta haikukuyeko. La date limite était le 31 août. Tarehe ya mwisho ilikuwa 31 mwezi wa 8. Jusqu'à 17h. Non, jusqu'à 18h. Paka na 18h ya ile siku. On n'avait pas encore les 60. 60,000 atukwe bene kuipata. On termine le culte. Tunamaliza ibada. Avant 18h30. Mbele ya 18h30. Le pasteur, je ne sais pas si se rappelle encore le pasteur John Kalala. Sijue kama pasteur John Kalala huyu ana telephone. Anampika simu. Dit papa, il y a quelqu'un ici. Ananiita na sasa kuku mtu moyo hapa. Qui veut acheter la maison. Anataka kuuza nyumba hiyo. Amen l'église. Amina. Donc comme il est alléluia. Comme il est le maître de l'image. Sabile yenjo mwenye picha yake. Donc
Donc Dieu, Mungu, donc, il maîtrise même la dernière seconde, il la maîtrise. Anajua na dakika na seconde ya mwisho ya alicha kuiua vile iko. Et l'homme là, na ule bwana ule. Tout le prix qu'on lui propose, il refuse. Mabei yote ile tunamwambia bei fulani anakataa, bei nyingine anakataa. Il donne exactement les 60 là qui nous manquaient. Il dit que ou vous prenez ou vous refusez, je prends, je vais aller ailleurs. Yeah, anasema tamipa paka 60. Mais il ne savait pas que c'est tout ce qu'on cherchait. Ya kujua sema njoo 60 ile ilikuwa mambo yetu chi. Le lendemain. Kesho ya. D'abord la nuit là je sonne la maman. Ya kwanza kushika mimi nitamwambia sema mama kesho. Nous arrivons. Tuko nakuya. Ndio baba, mimi na mchungu. C'est oui papa, nous vous attendons. Avec, elle croyait, elle me dira par après qu'elle croyait que nous allions encore lui expliquer. Kisha kumupa franga. Anasema baba pale ulinita jitania sema tu utakuwa kunifasiria. Sa maison était où? Nyumba yake ilikuwaga pale. Et le hangar là où nous étions. Na kitanda ori shitu tukienga huko. Nous entrons là. Tunaingia mnyumba. Avec les amis. Na barafiki. Nous ouvrons les sacs. Tunafungula sakoshi. Comme il y avait beaucoup de billets, de petites coupures. Sa vile kulikuwa ingine ya sadaka 5 dollars ya 20 dollars. Et nous on était là calme. Si tulikuwa tu bana bangaria mubalule. Il te rendra kayar. Hata kufanya utakuwa mkubwa. Oh, Dieu le Saint. Oh, mon Dieu. Nous étions là. Tulikuwa pale tuko na bangaria mubalule. Fort. Na nguvu yote. Par la puissance de ça. Kwa uwezo wa neema yake. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Parlant de Jésus. Inasemea juu ya Yesu. Pourquoi Jésus il a affronté la croix? Kwa sababu gani Yesu alipambana na msalaba? Pourquoi il a affronté la tombe, la mort? Kwa sababu gani alipambana na kaburi na Jésus? Kwa sababu Yesu avait dans son esprit. Ndani yake yeye mlikuwa. Cette image. Ile picha. De quelqu'un qui est ressuscité. Ya ule atabakia kwa msalaba lakini atafufuka. Jésus voyait la gloire. Yesu alikuwa naona utukufu. Qui était attaché à sa résurrection. Ilikuwa ilishambatana na ufufuko wake. Jésus ne se voyait pas mourir dans la tombe. Alikuwa na jiona alisha kufa na bakia mkaburi. Mais il se voyait ressuscité. Alikuwa na jiona mwenye kufufuka. Dans toute la gloire de Dieu. Na utukufu wote wa Mungu. Il y a eu des prophéties. Kulikuwa matabiri ingine. Somme chapitre 16. Zaburi 16. On peut lire ça, nous terminons dans 5-10 minutes. Tunaweza kuisoma, tutamaliza mba dakika 5 au 10. Somme chapitre 16. 9 à 10. Zaburi 16, 9 à 10. 9 à 10. 9 à 10. Somme 16, 9 à 10. Zaburi 16, 9 à 10. C'est David qui parle. Ni Daudi yako nasema. Il dit mon cœur est dans la joie. Anasema moyo yangu inapaka chakula. Nafsi yangu inaburudika. Mon corps repose dans la paix. Mwili yangu inapumzika ndani ya salama. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Hautaniacha mwadeze. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Hautaacha mtumishi wako mwaminifu aoze ndani ya kaburi. Quand nous lisons maintenant Acte. Tukisome matendo la mitume. Chapitre 2. Sura ya pili. Dans le premier sermon apostolique. Mo ile utuba ya kwanza ya utume. L'apôtre Pierre. Tume Petro. Il revient sur cette prophétie. Anasemea matabiri il dit quand notre David, notre roi, notre patriarche, anasema wakati babu yetu, mfalme yetu, baba yetu, il ne parlait pas de lui-même. Akwa anasemea juu yake yeye. Parce que nous savons que jusqu'aujourd'hui, ces sépulcres sont là. Kwa sababu tunajua kwamba na leo kaburi yake sont dans la tombe. Na mifupa yake iko mkaburi. Mais comme il était prophète. Sabi alikuwa nabii. Il savait. Alijua. Dieu lui avait révélé. Mungu alimfunulia. Que je te donnerai. Ya kwamba nitakupa. Un successeur sur le trône. Mwenye atakombola pati. Il ne mourra jamais. Hata kufaka. C'est donc de la résurrection de Jésus. Alafu ni juu ufufuko wa Yesu alikuwa anasemea. Amen bien-aimé. Amen. Quand vous lisez Isaïe 53. Ukisome Isaya 53. Le verset 12. Shairi yake ya 12. La version Louis Second ou bien Vie Nouvelle dit ceci. Ya Louis Second au Maisha uzima mpya nasema. Je dis c'est pourquoi. Mungu anasema njoo kwa sababu. Je lui donnera sa part avec les grands. Nitampatia sehemu katikati na wakubwa. Il partagera le butin avec les puissants. Atagawanya nyara na watu wa uwezo. Parce que il a accepté la croix. Kwa sababu aliitikia msalaba. Il a accepté de mourir pour les péchés des hommes. Aliitika kufa juu ya dhambi ya watu wengi. Alors Dieu dit comme récompense. Na Mungu anasema malipo. Je vais lui donner la gloire. Tampatia utukufu. La puissance au-dessus de tout. Uwezo ya kushinda vitu vyote. C'est la prophétie. Ni matabiri. Isaïe 53:12. C'est la prophétie. Isaya 53:12 ni matabiri. Jésus connaissait ça. Na Yesu alijua hii mambo. Il connaissait ces prophéties. Alijua hii matabiri. Que Dieu le Père.
avait déjà décidé, établi sa résurrection d'entre les morts. Maintenant, lorsqu'il est là physiquement, comme il savait qu'il va ressusciter, il l'a annoncé. Marc, chapitre 8, je crois. Marc 8, 31. C'est lui-même maintenant qui l'annonce. Sasa ni yeye mwenye anaitangaza. Il rappelle la prophétie. Anakumbusha matabiri. Il dit quoi? Anasema nini? Alors il commença à leur enseigner. Na akaanza kuwafundisha basi. Il fallait que le fils de l'homme souffre beaucoup. Qu'il soit rejeté par les anciens. Akanwe na wazee. Par les chefs des prêtres. Na wakubwa wa padiri. Et par les spécialistes de la loi. Na wenye kujua sheria. Qu'il soit mis à mort. Auawe, et qu'il ressuscite trois jours après. Na afufuke siku tatu kisha. C'est lui-même. Ni yeye mwenye. Qu'il annonce. Anatangaza. Pourquoi? Parce qu'il en avait la révélation. Kwa sababu alikuwa na ufunuo. Luc reprend la même chose. Luke anasema sawa sawa. Quand vous lisez Luc, kama unasoma Luka, chapitre 9, sura ya 9, le verset 22, makumi mbili na mbili, c'est la même révélation. Ni ufunuo moja moja. Que le Seigneur fait sortir de sa bouche. Ile Bwana anatosha mkinwa kiyake. Ce qui fait que. Ni ile nafanya ya kwamba. Quand il était mort. Wakati alikufa. Trois jours après il ressuscite. Siku tatu kisha anafufuka. Les femmes sont allées à la tombe. Wanawake walienda kumakaburi. Mais la Bible dit quoi? Lakini Biblia nasema. Ça nous lisons dans Luc 24. Ile utaisoma katika Luka makumi mbili na ine. On peut mettre ça, nous lisons ensemble. Utuweke Luc makumi mbili na ine. Le verset 6 à 8. Shairi yake ya 6 hadi 8. Luc 24, 6 à 8. Luka 24, 6 mpaka 8. La Bible dit, les anges disent aux femmes. Biblia nasema wa malaika wanaambia wanawake. Celui que vous cherchez n'est plus. Mwenye mko natafuta ana hapa. Mais il est ressuscité. Alishafufuka. Suivez bien. Fateni mzuri. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Mukumbukeni byenye alimiambiaka. Lorsqu'il était encore en Galilée. Wakati alikuwa ingaliki mgalilaya. Il faut que le fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Tafazali mwana wa mtu atolewe mikono ya watenda dhambi. Qu'il soit crucifié. Asulubishwe. Et qu'il ressuscite le troisième jour. Na afufuke siku ya tatu. Kumbukeni ce qu'il vous a dit. Byenye alimiambiaka. Wakati gani? Il est maintenant avec les disciples de Maïs. Eko na wanafunzi wa Emma. Toujours dans le même chapitre. Paka msura moja. Qu'est-ce qu'il leur dit? Anawaambia nini? Mais c'est écrit. Ilishaandikiwa. Moïse a dit ça. Musa alisema. Les psaumes ont parlé de Mazaburi ilisemea hiyo. Du fils de l'homme. Ya mwana wa mtu. Les prophéties ont parlé. Banabi balitabiri. Moi-même je vous l'ai dit. Mimi mwenyewe niliwaambia hiyo. Que je devais mourir. Na kwamba nilipasha kufufuka. Le troisième. Na kufufuka kisha siku tatu. Mais comme vos cœurs sont là, comprendre. Sasa vile mioyo yenu haina tayari kwa kuelewa. C'est pourquoi vous avez oublié. Ndio kwa sababu mlisaulika. N'oublie jamais l'image. Usisahau kamwe picha. Que l'image bouillonne. Picha ichamuke, itingizike ndani ya roho yako. Retiens enfin. Najua tena mwisho ya yote. Le temps que l'image peut prendre. Wakati ile picha naweza kuchukua. Pour qu'il devienne une réalité. Ju ipate kutendeka. Dépend de Dieu, de Dieu seul. Inategemea Mungu na Mungu peke yake. Dépend de Dieu, de Dieu seul. Inamtegemea Mungu na Mungu tu. Et que Dieu peut donner une image dans l'image là. Na Mungu anaweza kupana picha ndani ya ile picha. Le temps peut être une image dans l'image. Wakati inaweza kuwa picha ndani ya ile picha mnene. Dieu exprime le temps d'une manière imagée. Mungu anakuonesha wakati munamna ya kuonesha. Il ne vous dit pas exactement. Akukuambia kabisa, akukuambia kabisa kabisa. J'ai déjà donné ce témoignage quoi au deuxième culte. Nilisha letaka ushuda hii nadhania kwa ibada ya pili au ya tatu ile wakati. Un jour. Siku moja. Un jeune homme rêve. Kijana moja mwanaume analota. Il est chez lui. Eko kwake. Il voit quelqu'un entrer. Anaona mtu moja anaingia. Qui toque à la porte. Anagonga kumlango. Il répond. Anajibu. L'homme entre. Mtu ule anaingia. Il lui demande. Anamuuliza. C'est toi tel? Wenjo fulani? Oui, c'est moi. Anasema ndio ni mimi. Alors, retiens ceci. Najua, anamwambia jua hili. Dieu m'a envoyé pour te dire. Mungu ananituma ni kuambie. Que il va te faire voyager dans un pays étranger. Atakusaidia utasafiri katika inchi ya kigeni. Ce n'est pas toi qui devais partir. Aina wenjo lipasha kwenda amo. Dans le plan de tes parents, ce n'est pas toi. Matengenezo ya bazazi yako aina weye. C'est d'autres. Ni bengine. Mais Dieu a décidé. Lakini Mungu anabeba mpango. Que c'est toi. Ya kwamba ni weye. Et puis l'homme part.
Ule buana, le gars anaenda. Se réveille. Kijana mwanaume analamuka. Le soir. Mangaribi. Il dit à sa maman. Anaambia mama yake. Voici ce que j'ai réveillé hier. Sikia mama bienye nilota jana. Sa maman dit ah laisse tomber. Mama anasema acha ile tu nayo ni ndoto paka vile. Sa maman avait déjà établi que toi tu mourras avec nous ici. Sa vile mama yake mawazo yake alikuwa anasema ya hata tokaka munyumba takufaka paka na hapo. Kama seron vie c'est toi qui va nous garder. Pale tutazekaka wewe ndio utakuwaka na shi wewe ndio utaanza kutuchunga. Sa maman dit ah laisse tomber. Mama yake anamwambia acha tu ni ndoto nayo paka vile. Ah le cœur lui dit effectivement c'est un rêve moi je vous dis ce que j'ai vu. Kijana naye anamwambia c'est ni ndoto paka vile mama unasema lakini mimi ndilota. 3 jours après. Kisha siku tatu. Voici ce que sa sœur rêve, sa sœur qui n'était pas ici. C'est qui est ile dada yake mwenye kwa Afrika du Sud. Alikuwa anaishi kwa Afrika ya Kusini na yeye analota. Elle rêve ceci. Analota hivi. Quelqu'un vient. Mtu mmoja anakuja. Elle lui dit ceci. Anamwambia hivi. Je t'informe. Nakujulisha. Que ton frère. Ya kwamba nduku yako mloko yako. Si tu jeune homme qui est. Anataya kijana ule. Il va voyager. Atasafiri. Voici son billet. Na tikiti yake ya safari yoi. La sœur dit mais comment? Dada yake anasema je. Mais moi. Mie. Comment lui parle, mais moi? Non, tu iras demain. Utafata kesho. Non seulement toi, mais ta petite aussi. Si yo tu mpaka we vous, na vous irez demain. Kesho. Voici vos billets. Yenu ya safari elle prend. Anabeba. Après, l'homme dit ceci. Isho le buwana namuambi. Ça, c'est le quatrième billet. Ni tikti ya ine. De votre grande sœur. Ya dada yenu. Elle ira après. Ye atafuataka kisha mwe bengine. Elle se réveille. Na analamuka. Elle sonne aux parents. Anapika simu bazazi. Voici ce que je viens Shikieni bazazi yangu bienye mina lota huko. 2 mois après. Miezi mbili kisha. 2 mois après. Miezi mbili kisha. Le jeune homme. Kijana mwanaume. Il voyage. Anasafiri. Vous comprenez? Unaelewa vipi? 6 mois après. Miezi sita kisha. Sa sœur voyage. Dada yake anasafiri. 6 mois après. Kisha miezi sita. La petite sœur voyage. Ule mdogo yangu mwanamke anasafiri. 3 années à 4 années de miaka 3 au 4 kisha. La grande sœur voyage. Dada yabo na ye anasafiri. Amen église. Amina. Le voyez Dieu, il dit demain. Mungu anasema, shunashikia anasema kesho. Mais Dieu savait que c'est 6 mois. Lakini Mungu anajua kesho yake ni kisha miezi 6. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa? Je vous ai dit que dans l'image, Dieu peut mettre l'image. Ndani ya picha, Mungu anaweza kuweka kama picha ni wakati. Le 6 mois par demain. Mungu anasema juu ya kisha miezi 6 lakini anakuambia sema kesho. Il exprime les 4 ans par plus tard. Anasemea juu ya miaka 4 anasema kisha yake. Amen bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Fermez les yeux. Funga macho. Nous voulons prier le Seigneur. Taomba Mungu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Maman Monique me dit de vous dire que maman là c'est elle. Maman Monique yeye ula naniambia sema ule mama mwenye barikuwa naambia mandoto nimeambia sasa enjoy ye. Pati kuyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des tués pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.